Bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci en pile parce qu'on est avec nous sous télévision nationale d'Haïti dans le SAS. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour l'autre numéro mise au point sous télévision nationale d'Haïti. Matin, on va refaire monsieur maintenant avec agronome Jean-Camille Bissette. Nous allons parler de Fonta, mais Fonta, nous connaissons qui plus vient, c'est la question foire écotouriste, foire binationale. Mais je dis à Fonta, voulait rentrer dans la formation de manière formelle et directe. Et là, il y a un jour Cap Vignola, un institut qui prend le travail. Toujours dans l'idée pour porter bourrade à secteur touriste là en d'un pays. On va passer en revue motivation yo, qui s'agit là-dedans et puis un paquet quoi ça cap gagner sous secteur. Voilà, entre autres, pour faire la mise au point matin avec agronome Bissette qui a accepté de répondre à une question TNH matin. Agronome, son plaisir pour nous recevoir aujourd'hui à sous TNH. C'est un plaisir assez pour moi lié parce que ça fait toujours plaisir pour nous parler, surtout possibilité de gagner pour nous capable faire pays nous avancer. Comment font-ils apporter lui? Bon, Fonta très bien parce qu'en principe, Fondation pour le développement touriste alternatif en Haïti, c'est un gros défi. Par exemple, pour Haïti, qui a 776 sections communales, 146 communes et 46 arrondissements, 10 départements. Haïti, son plein main que lié. Haïti est 27 700 km² et son pays qui belle tout côté. Donc, il y a possibilité pour faire un développement inclusif, normalement, en termes maintenant de développement touriste dans le pays. Parce que nous avons des bijoux flottants tels que nous avons parlé maintenant tout le monde. C'est des barrières qui sont valoriser, qui pouvait créer richesse. Et ça fait nous-mêmes nous croire seulement, c'est que Haïti, c'est pour nous valoriser toutes les ressources naturelles, culturelles et historiques que nous gagnons. Et Fonta, un autre travail que nous avons fait, c'est montrer que, par exemple, sur le plan maintenant historique, nous sommes titans dans le Caraïbes. Pas de monde qui a une histoire, non. Donc ça veut dire qu'avec histoire, nous, avec culture, nous sommes capables d'essayer de développer le pays. Et c'est la raison ça qui nous dit que pour nous parler, nous avons pour qu'on aime, pour vendre, il faut qu'on aime. Donc c'est qu'au niveau de Fonta, conjointement ensemble avec l'Institut d'enseignement supérieur de l'Ouest, nous marquons l'école de nombre ensemble dans Delma 2 et dans Delma 71, où est le numéro 2. Normalement, pour nous mettre en place et ISO, Institut d'enseignement supérieur de l'Ouest, conjointement avec IFORA, Institut de formation d'hôtellerie, restauration et agrotourisme, parce que agrotourisme, là, son gros avantage. Nous allons vous parler de ça, puis devant, et agronome du CIRET, mais au fait, Fonta a versé en pile, là, foire et, touristique, et avec deux pays, République Dominicaine et Haïti. Et par rapport à l'expérience, nous vous dire, quel diagnostic nous fait de secteur touristique, là? Secteur touristique, c'est pas oublier que je dis qu'il y a 1 milliard 300 millions de monde qui voyagent dans le monde là. Caraïbes là, c'est un côté qui gagne un taux de croissance qui est toujours régulier, 7, 8, 9, 10% de touristes qui ont augmenté. La République Dominicaine, il y a 26 millions de monde actuellement qui voyagent dans Caraïbes là. Il y a 7 millions en République Dominicaine qui ont rapporté 6, 7 milliards de dollars chaque année en termes de devises en République Dominicaine. Et 60% de monde qui vient en République Dominicaine qui a été réussi à venir en Haïti. C'est politique là qui permet que nous pouvons mettre une politique attractive qui permet que les touristes qui vivent en Dominicaine aient traversé venir en Haïti. Dominicaine joue intelligent, les deux. Vini, République Dominique, Santo Domingo, pour découvrir Citadelle. Nous avons déplacé le Namilo, nous avons déplacé le Namilo. Donc nous avons un patrimoine historique, culturel. C'est-à-dire que Jean ou Madame Odette Wafon-Bretou dit Haïti devait être le portail culturel et historique de la Caraïbe. Moi, je pense que l'écotourisme, c'est un touriste haïtien. C'est un touriste qui valorise tout ça que nous gagnons comme richesse. Donc, il y a 1777 km maintenant de côte qui n'est pas valorisé. Oui, il y a une quantité de monde qui est venu ici pour créer du travail. Oui, ça fait la peine de regarder un jeune garçon, une jeune femme qui est quitté le pays. Il prend de l'autre côté, alors que nous gagnons des bagailles pour nous développer le pays, tout simplement, ou bloqué par une politique maintenant qui gagne en pile d'exclusion, côté pas gagne pigou, pas de pipiti, pas de solidarité. Et c'est manque de solidarité ça qui peut être que je dis à nous dans toute situation que nous y est là. Écotourisme, quoi ça n'a qu'à faire en termes de développement au pays? Il n'y a pas les méthodes d'écotourisme, c'est tout une gamme. On n'a pas de tourisme culturel, de tourisme écologique, de agro-tourisme, de agro-écotourisme. Ça veut dire que c'est un champ qui est extrêmement large, qui n'est pas été un anti-tourisme, qui est un tourisme de croisière, un tourisme balnéaire. Je dis à mon intéressé vient découvrir le pays. Et le pays Haïti, son pays qui fait histoire. D'ailleurs, nous-mêmes, nous sommes un modèle dans tout ça qu'on a fait. Et que ce soit bien, que ce soit mal, c'était Haïti. On pourrait ça ne pas valoriser un peuple qui fait du 1804. En plus, le monde devait regarder le pays, ça, qui pour quoi gagne télévision, pour quoi gagne toute technologie, qui mettait comme si le monde, qui mettait le grand Napoléon à genoux. Je veux dire, on va comprendre que des ça, donc est possible, on peut ça être extraordinaire. Parce que 15% moins, 25% pleine. Haïti, c'est un pont où c'est chaque côté où on passe, où dit gardons un pays qui est belle, qui a gaspillé pour ça. Mais pour nous, il faut faire une offre. C'est cette offre-là que nous sommes en train de préparer. Offre-là, il faut diversifier. C'est pas offre qui a arrêté seulement au niveau mettant dans le tourisme balnéaire sur place seulement. Son tourisme qui allait mettre dans le monde, je dis à rapidement, il y a une fois apprentissage. Imaginez, il y a un monde qui a bu un café pour un café.
Il y a des gens qui mangent des pistaches, pas un mot de pistache, qui font émotion. Ce sont touristes de richesse ou apprentissage, je ne regarde qui j'en paysan nous a travaillé, qui j'en a valorisé maintenant, j'ai fait la caillou. Il y a plein de monde qui va comprendre que PIA, ce n'est pas Port-au-Prince. PIA, ce n'est pas Port-au-Prince. Soit au niveau de Fonda, nous travaillons au niveau maintenant de frontières. C'est parce que si il y a 7 millions de monde qui sont arrivés en République Dominicaine, pour qu'ils ne fassent pas une réaction osmotique. Côté si nous arrivons là, par exemple, Port-au-Prince, c'est la capitale d'Haïti, Santo Domingo, c'est la capitale de la République Dominicaine. Mais il y a l'autre porte d'entrée pour le pays. Ouanamel, c'est Haïti. Fonds parisien, c'est Haïti. Belader, c'est Haïti. Ansapit, c'est Haïti. C'est pour nous comprendre comme ça. Ça veut dire que le monde qui doit arriver l'autre bord, la traversée venir. Mais qui accueille qui vient sur la frontière? À un certain moment, nous avons dépassé la République Dominicaine par rapport à la présence sans pile touriste dans le pays. Et ça a été compté l'argent pour l'économie noire. Mais je dis, ce n'est pas le cas. Nous regardons comment en réalité, les chiffres sont disponibles. La République Dominicaine accueille des milliers de touristes parce que chaque année. Je dis, selon vous, qui est le plus gros obstacle? Nous avons relaté par rapport au développement du secteur ça en Haïti. Très important. Il y a quatre conditions de ne pas réunir le bac à faire touristes. Une, c'est stabilité politique. Depuis un instable, mon cher, il n'y a pas de monde qui vient dans la carrière. Parce que les touristes ne sont pas venus dans l'obéissance. Normalement, donc, nous sommes là à faire des ordres chaque jour. Donc, ça veut dire qu'il faut essayer de mettre l'ordre dans des ordres. Il faut qu'ils suspendent, faire grimace comme si il n'y a pas de patate à ce qu'on a national, un pays qui doit stable. Deuxième, c'est salubrité. Donc, il n'y a pas de faut propre. Pas de monde qui vient dans la fatra. Donc, par conséquent, il faut résoudre. Troisième, non, c'est statistiquement, moi, je vous dis que c'est sécurité. Parce que sécurité, elle a même venu en deuxième position parce qu'il faut gagner sécurité. Quel monde qui vient de côté, par exemple, vient de Jodia, longtemps Haïti n'est pas un pays insécure, qu'on y a mon cher, c'est des autres qui ont fait tout côté. Où est-ce que ça se passe là tout dernièrement là, c'est en tête chargée. Même si dans la région, on regarde les rapports, Haïti n'est pas parmi les pays qui puis la sécurité. Mais c'est vrai que normalement, mais nous avons mauvaise presse. Bon, nous avons mauvaise presse. C'est dommage parce qu'en principe, tout le monde nous connaît. Nous, depuis qu'il y a parlé de nous, il y a toujours parlé de nous en mauvaise position. Mais c'est nous qui avons fait pour faire ouais, nous, l'autre façon. Dernièrement, là, c'est les mêmes que nous chidons sur il faut satisfaire le client. En termes maintenant de notion de service, que ce soit dans l'hôtel ou dans la restauration, pas de service. D'ailleurs, ici, on vient de perdre une notion de travail. Ils pensent que le travail, c'est l'esclavage. Alors, ce côté que le travail, c'est parce qu'il n'a pas de chance. C'est bon Dieu, par exemple, qui fait que là, qui fait jouer au tout jeune, à quitter pour le Chili, pour le Brésil, ça va faire dans la même salle d'adoué, faire la carrière, il va le faire de l'autre côté. Pour qui ça? Parce que, pas de éducation. Et dans ce sens, ça nous dit au niveau de Fonta, il faut nous faire question de l'autre façon. On nous valorise ça, nous gagner. On nous fait un tourisme inclusif qui peut être que nous capables de valoriser le jardin que les paysans nous ont fait, alors que nous avons valorisé, mais nous avons parlé maintenant de ferme agricole, ferme agroécologique, pour nous transformer en ferme agroécotouristique. Nous disons qu'il faut enseigner agrotouristes. Bah, nous avons des déchets, nous avons plein pour Fatra, alors que nous avons fait comme avec. Non, alors c'est celle-là qui a Fatra qui a plein pour Fatra, alors que Fatra c'est comme. Donc, nous sommes capables de faire un paquet de bagages pour nous valoriser, faire compost pour nous gagner un pays, que nous ayons une identité en termes de production bio. Tout fruit, c'est fruit bio. Pourquoi ça ne va pas gagner des légumes bio? Pourquoi ça ne va pas faire exporter des produits bio? Pourquoi la République Dominicaine, qui est le premier exportateur de bananes bio, ne va pas composer ensemble avec le fond, composer de l'autre façon? Si nous avons pris dans un gourmet, œil pour œil, dent pour dent, nous avons gardé en termes de réciprocité, il faut mal ou faire mal, nous avons la gagne côté. Je veux dire, nous avons notre compréhension maintenant des îles, qui est maintenant, on zile côté que le monde vient faire multidestination. Devenir en 15 jours, il fait 15 jours, le participe, et le monde qui sorti, que ce soit dans l'Amérique, que ce soit en Asie, que ce soit dans le Caraïbe, que ce soit en Afrique, il est venu en 15 jours, il fait comme s'il y a deux pays qui partagent un bout de zile. Pour qui ça n'est pas quand on dit ça? On va aussi dire là qui est intéressant, c'est question image là. Les gens vont nous peut-être vendre nous par rapport à l'autre pays. Pour le fait que tout le monde est intéressé avec. Moi, pour vendre l'image, on va dire bien simple. Après, c'est un fait dans la mise au point. C'est promotion, c'est publicité. Il faut nous parler, il faut nous converser. Souris, par exemple, à une certaine époque, Mme Ville doit comprendre très bien les gens qui fait. Normalement, à l'époque, ils font un paquet de promotions maintenant dans le pays. Ils ont gagné, par exemple, Transat qui a mené monde chaque semaine, mené un groupe pour nous venir. Quand il y a tout opérateur qui est intéressé, mené monde venir. Si plus grande entreprise, ça, plus grande industrie, ça gagne dans le monde, qui crée travail, sur 11 personnes qui dans le monde, qui gagne dans le tourisme. Je dis que je ne pas si créer plus de travail, je ne suis pas capable de pas encourager, mais qui touriste. Il faut définir le tourisme haïtien. Le tourisme haïtien.
Haïtien, ce n'est pas du tourisme de croisière, ce n'est pas du tourisme comme si Chita seulement ou Galé Labadi. Ce sont des touristes qui ont dû plusieurs pôles de ce genre, que ce soit à Jacquel, que ce soit à Petit Gouave, que ce soit dans le sud, que ce soit maintenant dans l'autre type de baie que nous gagnons comme richesse. Mais il va faire. C'est-à-dire que nous gagnons les îlots que j'appelle maintenant les bijoux, les petits bijoux flottants, qui ont dû maintenant développer. Donc c'est ça, on nous dit, mais pour ça, fait, il faut une population qui mine touristes. C'est après nous autres, dans le cadre de la FONTA, Fondation pour le développement touristique alternatif en Haïti, nous parlons de touristes qui sont basés sur la communauté. Ça veut dire qui ça? Valoriser le talent qui est dans la communauté, valoriser la richesse qui est dans la communauté, que ce soit la richesse naturelle, que ce soit la richesse culturelle, que ce soit la richesse historique. Parce que le monde dans la communauté, il y a un pile qui gagne ensemble maintenant de valeurs que nous-mêmes qui ont l'histoire. Normalement, qui qu'on râle, qui ont ensemble de atouts qui gagnent que nous ne valoriser. Je dis, nous peut-être seul monde qui est en Haïti, particulièrement, on a plavé dans la rivière. Ou d'ailleurs, ils sont bailés qui dégradent, on pas dégradent, non. Parce que le sous-développement d'Haïti, c'est un atout aujourd'hui. Parce qu'en pile, le monde qu'on y a, comme si on ne peut pas le manger, pas en grès, eh bien, Haïti va dire qu'il y a un grès. Toi, capot du nez, du bio, pour ils ont essayé d'exploiter ma chère. Donc, on parle d'opportunités à saisir. Or, il faut qu'on leur forme de politique pour nous dire que, aujourd'hui, avec plus que 2 millions de gens dans la diaspora, on ne peut pas faire un lien dans chaque région du pays. Il y a des jeunes, il y a des communautés, il y a des diaspora. Il faut nous mettre ensemble. Il faut entraîner un programme de développement local. Et c'est le développement local là que tu as mené au développement dans une commune, développement arrondissement, développement département, développement maintenant pays. Tandis que nous-mêmes, nous sautons en haut pour nous descendre en bas. Alors que toute construction, quelque chose bon chapeau de cafon cas carré car en bas, donc ça veut dire bon carré car en bas, on garde qu'il y a un développement local à fait, on permet que mounio cap de route, donc à gagner d'électricité, donc à gagner de l'eau. Ce sont les infrastructures de base sans lesquelles on va pas parler de tourisme. Parfait. Il y a par contre sous expérience pays à value et au même qui je pense que tout le temps mener des mounes à regarder ça cap fait value. Vous pensez son expérience t'as reprendre dans plus le côté d'un pays à mon quoi que ce monde bah mal value, c'est que le pape qui a comprendre comme si dynamique développement local expérience value son expérience, même si les petits goûts moyen participer dans Value. Toute formation qui fait maintenant dans Value, en termes de former guide, former de conseil ensemble avec APV, Association Paysan Value, que Abner Septembre a dirigé, que nous-mêmes nous apprécions, que nous saluons également, pour gros efforts qu'a fait. Au niveau maintenant de Value, Value sont exemples, sont modèles à suivre. Mais le simple fait que ce n'est pas le ministère touriste qui vient avec elle, ce n'est pas l'État ici qui vient avec elle, il néglige, il méprise, il banalise. Parce que ici, son pays, il est très orgueilleux. Depuis que vous venez, il ne va pas copier, alors que dans le développement, je dis, il faut copier ça qui est bon, il faut multiplier. Si, imagine donc que Value, son habitation dans la 12e section communale. Value pour une section communale. Ou imagine que si toute section communale, dans 576, tu as Value, tu as APV, tu as association paysanne qui a valorisé la chasse. Ou Haïti pas le Chili, pas le Brésil, parce que tout le monde travaille. Oui, mais il y a combien de jobs qui font de value, mais il faut qu'on ait une dynamique. Nous apprécions les jeunes qui quittent la caillou parce que longtemps, leur parle maintenant de touristes, expérience de l'autre côté, qu'on a parlé. Je dis qu'on a l'expérience de la caillou, qu'on a dit, mais ça, que n'a fait au niveau de frontières, là, à travers le foie binational éco-touristique et de production, côté nous faire, par exemple, au niveau de Belader, activité que, au niveau de Fonta, qu'on a développé, il y a un pile d'autres partenaires qui ont fait des actions, mais des actions qui ont été isolées. Parce qu'en Haïti, particulièrement, il faut que nous sortions dans le standard et les monopoles. Il n'est pas capable de gagner une exclusion quand il y a un groupe de monde qui ne doit pas parler de rien. C'est eux seulement. Maintenant, on a comment tirer le son de l'expérience Value, qui t'a aidé l'autre région de pays à faire une expérience. Ça va dire même bagaille, moi-même particulièrement, moi-même comme Nectigov, je me dis nous parlons de Goumé, nous avons pris l'expérience Value, nous avons fait le Belade. Le diaspora Belade, on a regardé que qui est une zone qui est extraordinaire. D'ailleurs, qui a fêté 70e anniversaire depuis que les comme commune, souvivé que nous avons gardé exactement pas gagner en fait pour pas valoriser. Mais nous avons développé des fermes agroécologiques, nous développé des agriculteurs, nous menons mon à le visiter, à le découvrir, à le faire expérience, à le visiter maintenant jardin, à le faire récolte, à le faire expérience parce que ça est fait. Et c'est value d'investir et reproduire dans façon pas nous. Parce que reproduction value avait dit que ça c'est éduquer la communauté hein, pour que le connaît que le cap prend des scènes maintenant en charge. On a fait le deuxième plan actuellement au niveau métal de Petit Bois avec l'autre groupe d'organisation qui est censé travailler, que ce soit GRAPED, groupe d'appui aux planteurs maintenant et éleveurs maintenant de la deuxième plaine Olivier, pour nous valoriser les temps de Miragouane ou pas quelque patrimoine qui gagne. Côté nous organiser évidemment, on a fait au niveau maintenant de charisme d'organiser, montant charisme d'organisation des frontières là, côté de des groupes dominicains, viennent garder maintenant charisme d'organiser pour nous faire et action osmotique que m'a dit chaque jour, côté que des dominicains.
Dominicain capable de venir, venir doucement, venir garder mes tasses à nos gains. Vous connaissez chaque fois que je mets un groupe dominicain sur la frontière là, je me dis, mais c'est pas quoi, c'est pas pays ça, non. Il n'y a pas l'hymne. Mais parce que je ne dis pas qu'on a Haïti, l'image que j'ai en Haïti, c'est une image négative. Pour eux-mêmes, tout pour le début de Haïti, il y a perdu de désert. Nous disons que pour nous, qu'on a un bagage bien, il faut apprendre. Nous disons, faisons bien, on met les têtes nous ensemble. C'est comme ça que, de conseil avec l'Institut d'enseignement supérieur de l'Ouest, nous arrivons à mettre un institut de formation à l'hôtellerie, restauration et agrotourisme pour nous former les gens, pour que les jeunes qui forment, les jeunes nous forment dans l'université, les jeunes nous forment. Là, nous avons une formation qui pratique et dynamique qui va être que les nègres sont ils qui depuis 2007, formation adaptée. Formation depuis 2007, son initiative vient de commencer avec INFP, avec ICE. Tu as une formation axée sur la demande, que tu as commencé à former serveur, former barman et placer. Ça va être une grande pile jeune qui, aujourd'hui, qui travaille dans un hôtel, dans un restaurant et qui est formé déjà par Fonda. Et qu'on nous dit, on formalise les questions en plus bien, on met l'école technique professionnelle parce qu'on l'a joué, commence à arriver, il faut faire un transfert de connaissances, transfert de savoir. Donc, c'est que dans Delma, et dans Delma 71, recrutant numéro 2, il faudra lui-même offrir un service de conseil avec ISO pour nous former les gens dans l'environnement, dans l'agrotourisme, dans l'hôtellerie, et nous croyons que nous avons des formations de courte durée, des formations maintenant régulières, de telle sorte que les gens qui prennent un cours régulier, qui fait 2 ans pour le sortir comme technicien, mais les cours qui prennent 1 an, c'est comme agent, les cours qui prennent maintenant, par séminaire, qui fait maintenant 1 mois, 2 mois, tout dépend maintenant, parce que théorie et pratique, la possibilité pour visiter. Bon, ici et visiter sa bon République Dominicaine également. Alors, comme on a ouvert dans la question de l'éducation, je dis à Bonhomme Bissette, et je me suis avec dynamique qui était développée, et dans la période 2014-2015, pour la question touriste, là, qu'on sent de l'école et qui vient prendre naissance. Mais, on a l'impression au fur et à mesure, elle a diminué. Au fur et à mesure, toute qualité formation qu'a bande dans l'école, ça y est, laissé à désirer. Dans le niveau institut, ça, dans quel niveau nous sommes capables de faire différence, là, pour que tout le monde qui prend la formation, effectivement une formation de qualité, une formation adaptée. Mais à mon avis, on ne donne que ce qu'on a. Et une raison pour entrer dans le secteur, nous dit bon définitivement, ça fait valeur maintenant au touriste, c'est pas gros hôtel là, et pas gros restaurant, mais c'est qualité service là. Qualité service, ça veut dire que sur un serveur c'est de professionnel. C'est-à-dire que faut une technique maintenant de vente qui va permettre que propriétaire hôtel là, propriétaire restaurant fait plus comme. Alors, le plus souvent gros volume que nous avons à l'époque en 2007-2008, de lancer l'initiative Zion, nous avons formé serveur, nous avons formé barman, nous avons formé paysagiste. Mais nous avons gardé que même ça, le minimum mieux, que les gens qui ont un hôtel restaurant ont refusé de payer. Et nous avons fait à l'expliquer que, expliquer aux chita ensemble avec les qui partenaient nous, pour nous dire qu'on a intérêt à des gens qui sont bien formés. Nous-mêmes, nous avons mobilisé maintenant des professionnels de haut niveau, des chefs qui vous formez mon dans la culinaire, des experts qui vous formez mon dans le domaine. Non. Par exemple, nous avons des professeurs, nous avons professeur Boileau qui est ensemble avec nous, nous avons chef Stéphane qui est ensemble avec nous, donc, on a fait maintenant cuisine, on a fait au bar, etc., qui travaille. Moi-même, j'ai un agronome Jacques Néguerrier, agronome Bissrette, dans le cadre de temps sur agro-tourisme, dans l'hôtellerie, nous avons M. Sergi qui est formé. Donc, nous avons mobilisé des ressources et nous avons des possibilités pour nous voyager ensemble avec eux. Parce qu'il est vrai que pour aller regarder qui gens ont fait hôtel dans des restaurants qui ont de très bons services, donc ça fait différence parce que c'est la meilleure façon à ajouter un tout, à regarder la potentialité qu'il y a. Donc former jeunes, non, pour que former entrepreneur, pas tellement former pour aller faire un job. Parce que une avantage que nous manquer, c'est un secteur qui a une possibilité pour nous créer pour travail, créer propre job, pour qu'ils soient obligés de faire un travail, pour une formation, pour nous ouvrir comme guide au cap travail. Il y a plusieurs types de guides. Nous ne pas rentrer dans le secteur touriste sur une langue. C'est-à-dire qu'il faut parler anglais, espagnol, et italien, mandarin, je dis, parce que dimension que chinois prend. Donc Haïti, c'est un pays, il faut l'ouvrir, nous ne pas fermer. On dans le secteur ça, il faut railler ça, vouloir faire différence. Pour nous former les gens, faire formation maintenant de qualité, et une formation pour mettre que les gens ont esprit, ça est insulaire. Maintenant, imaginons, excusez-moi, Sergio, et que en pile monde a vivre dans le pays, combien de monde qui connaît l'histoire zilea? Combien de monde qui connaît géographie zilea? Combien de monde qui connaît sociologie zilea? Combien de monde qui connaît économie zilea? Combien de monde qui connaît comme site touristique et écotouristique rien. Ici pas un cours côté nous même, on a bien cours sur géographie, histoire maintenant zilea et histoire touristique parce que il y a des possibilités nous gagner comme potentialité géographie touristique pour nous connaître chaque zone nous gagner des possibilités extraordinaires. C'est vrai, il y a 75% monde, 25% plein Haïti sont pays agricoles, pas vrai? Ils ont pays à vocation écotouristique.
l'Haïtienne a supposé valoriser, le côté tout l'autre monde qui a venu, que le soutien dans Zilea, particulièrement sur Guadeloupe, Martinique, qui a supposé venir ici. Pour qui ça ne va pas mettre l'ordre? Pour qui ça ne va pas gagner la paix? Nous avons la sécurité, nous avons un pays qui est propre, un pays qui est belle. Nous avons de bons services, que nous avons bâillé des services de qualité. Nous avons la culinaire extraordinaire. Ou alors, non, non, mon app manger noir. Mon abon, on dit, debout, il vient dans le nord, on dit, oui, je ne vais pas le manger là, ça va continuer à la donne. Parce que debout, il vient dans l'antibonne, je ne vais pas prendre rien, ça va prendre là. Je ne vais pas arriver dans la danse, je ne vais pas prendre tombe. Mon Dieu, nous gagnons pas de richesse. On valorise ça, nous gagnons. On fait propre développement là, nous ne pouvons pas développer le pays. Il faut reconnaître que Haïti aux Haïtiens. Et c'est l'Haïtien qui a fait pour Haïti. Donc nous gagnons vraiment l'école Lombric, non, avec diaspora. Nous gagnons vraiment l'école Lombric, pour les jeunes. Mais professionnaliser les jeunes. Permettre que nous, en tant que professionnel, il y a des gens maintenant qui sont capables de dégager tête et mettre accès à crédit. C'est-à-dire que ça, son plan, moi, depuis semaine, ça m'a fait une promotion pour la banque de développement. Et je crois que c'est, oui, quelque soit forme de gouvernement, il faut qu'on banque de développement suive la République dominicaine. Il y a une banque de développement qui fait des prêts. D'ailleurs, il n'y a aucune banque qui s'est capable pour investir dans le secteur agricole. Alors que l'on garde une dizaine de là, je veux dire. Donc là, presque 70 gouttes, toute bagarre a monté. Ou pas gagner manger, ou dépendant maintenant de l'extérieur, tout petit banan, tout petit bagage gagner absolument de l'autre côté, ou pas produit. Eh bien, mon cher, créer propre misère, ou créer propre pauvreté. Donc, il faut nous sortir, il faut nous faire recul, pour nous dire, on fait développement inclusif, on met tout le monde là-dedans, on chita maintenant pour nous travailler, mettre ça nous gagner, valoriser ce que nous gagner, et je vous assure que nous gagnons l'autre pays. Maintenant, si vous voulez former Mounio, il faut qu'on demande, il faut former, il faut qu'on côté capable de recevoir. Est-ce qu'aujourd'hui, on estime dans le secteur ça qu'on demande pour qualité formation que nous les baillons? Et à Gonam Bisset. C'est-à-dire que demande, il faut provoquer la demande. Moi, je pense que normalement, c'est comme si nous gagnions une offre touristique à construire. Et c'est cette offre-là maintenant qu'il faut construire qui va provoquer maintenant la demande. C'est-à-dire offre qu'on a qu'on a construire, c'est peut-être que Mounio dit, toujours dit à touristes, ça va carrer seulement non touristes de croisière, non touristes maintenant de gros hôtels, de gros restaurants, mais ces touristes, c'est pour aller visiter Valu, aller découvrir Belader, aller découvrir Caris, aller découvrir Mode Organisé, aller découvrir Choubert, aller découvrir tout ça nous gagnons. C'est le tourisme d'un pays qu'il faut faire. Regardez la Gonave. C'est-à-dire qui monde va aimer là pour découvrir la Gonave. Pas pile monde va connaître la Gonave. Alors que la Gonave sont joyeux, sont bijoux. Pas pile monde va connaître la tortue, pas pile monde va connaître les lavaches. Et veut dire que ouais, c'est étranger qui va venir investir là-dedans, nous même propre nous ne va investir. Ça veut dire que le travail qu'on a fait à tout l'extrêmement important pour porter haïtien à investir en Haïti, à développer, qui ça fait tout le monde va obligé quitter la caillou pour l'autre côté à le visiter. C'est moi qui est intelligent, on dépense plus comme. C'est une solidarité, solidarité on a découvert ça nous gagne la caillou. Qui ça que paysan fait, comment le produit maïli, comment le produit poili, comment le produit café, comment le produit cacao li, qui j'en mette pour nous valoriser maintenant ça nous gagne la caillou, comment maintenant, comme si tout ça nous gagne comme patrimoine culturel que nous gagne la caillou, comme si je dis, si, c'est la paix pour nous gagner. Mais quand le bail, on dit ça, en plus, le monde a souhaité par exemple là, un week-end là, pour une famille, pour aller faire un petit touriste local, mais le regard de tout ça, ça peut demander un terme de coût. Parfois, il compte vraiment faire problème. Regardez, peut-être dans le temps, il y a un paquet de joueurs qui ont joué dans quelques hôtels dans la zone, dans la ville provinciale, mais je ne dis pas ça. Mon cher, c'est ça, nous-mêmes, nous avons gardé un dans le Fora, comme si développer maintenant de petits villages qui vous permettent que normalement, que les gens viennent à un coût minimum pour que tout le monde ait fait tourisme. Mais là, le ministère du tourisme dit que tourisme avec tout le monde des alliés. Oui. Tourisme avec tout le monde, il dit que n'est pas logique pour vivre sans récréation. Next, qui a travaillé là, par exemple, monsieur a travaillé dans la télévision comme caméraman, monsieur Gagné en période de vacances. Il faut monsieur Gagné avec moins de coûts que le cas passé une semaine avec madame la petite. Nous n'avons pas de récréation. Ce n'est pas possible. Nous venons venir pour une vivre de coup bête. Alors même bête, là, on a dit un moment de repos. Nous même nous avons supposé un moment de répit pour nous vivre à côté, pour nous aller au lac, pour nous faire. Et ça va permettre que les touristes, là, automatiquement, qu'on déplace dans le milieu, machin de bête, là, font bénéficier de présence. En sous parce qu'on consomme mon tablette, on consomme mon cassave, on consomme mon boboï, on consomme maintenant, on va l'acheter maintenant. Ça veut dire que qui ça, un petit tableau, un petit peinture, artisan à bénéficier. Donc on va le faire un petit pratique, on va le garder comme si on va le visiter, n'est qu'à faire photo à bénéficier. Son bail enchaîné. Même chez l'habitant, je dis à ton pile, il faut pas l'acheter très cher. Il n'est pas cher, c'est parce que premièrement, c'est que pas une demande qui trèfle. C'est-à-dire qu'en principe, pas une offre qui est bien organisée et demande n'est pas fort. C'est-à-dire que automatiquement, tu as une offre qui est bien organisée et c'est ça que l'État ici fait pour faire. C'est permettre que le touriste soit le touriste communautaire qui va développer. C'est le touriste d'un pays qu'il faut développer. Le touriste communautaire, c'est lui-même qui va le permettre de valoriser maintenant dans la section communale, qui va le permettre de valoriser, permettre que Kazek là. Comment ça victime dans le pays? Quel est l'exemple d'un ensemble de communes, par exemple, Brambelader, aujourd'hui, là?
qui va le fêter 31 mars, 70e anniversaire. 31 octobre, qui va le fêter et 31 octobre, 70e anniversaire d'une commune qui construit à Dimassé estimé. C'est vrai que le président font pas d'effort, mais je dis son bagage d'Adouvini comme un joyau, comme un bijou. Tout le monde a supposé le découvrir Bel-Ader. Mais c'est pas Bel-Ader seulement. C'est l'arrondissement de Las Caobas. C'est Las Caobas pour aller visiter dans le café. C'est Las Caobas pour aller garder maintenant une commune à une certaine époque qui devait partie de la République dominicaine, qui des roches coloniales, donc des sites extraordinaires. C'est pour aller visiter maintenant Baptiste, qui c'est vraiment un château d'eau qui couvre maintenant et Bel-Ader, qui est là dans Onvet sont merveilles. Où on peut rencontrer Medved, Onvet, qui gagne d'abord une résurgence, qui gagne sous l'eau. Mais si vous faites Onvet, vous gardez maintenant Onvet, il y a trois périmètres irrigués. Qui gagne Calaroche, qui gagne Bidal, qui gagne quoi faire. La ville pour zone salée même à côté de loi, c'est ce que si on a fait Mayoc. On a fait produit pour capable vendre la République dominicaine. Nous même notre travail que nous avons fait dans zone Zayo, c'est-à-dire que nous arrivons à créer Sandari Long Marché Paysan, nous arrivons avec des fermes agroécologiques, nous avons regardé comment maintenant nous avons développé un meilleur rapport pour un marché juste et équitable avec la République dominicaine. Mm-hmm. Mais politique bloquée parce que toute bagaille mesure que vous prenez, ça veut dire que vous ne pouvez pas faire, traverser les frontières là son problème, pas de harmonisation, pas de entente, alors que bon voisinage, règle de bon voisinage. Voisinage c'est drap blanc, voisinage c'est famille. Nous pas appliquer, en fait pour appliquer le mettant sur tout le zile qui va le servir. Et en plus nous même nous pensons que pratiquement et forme de touriste que nous avons parlé à la qui vous permet que au monde qui a déplacé ou vient la caillou, je dis à gagner département centre là sous garder que les désenclavés. Savanette je dis à pour où nous parlons Savanette, mon merveille encore qui gagne son richesse par rapport à faire à cheval pour aller garder maintenant Savanette. Pour aller visiter mes Savanettes, l'eau est traversée en Dovaye, ou qu'à traverser la République dominicaine, ou dans San Juan, son segment de marché, et route qu'a fait maintenant le département centre-là, vient permettre que le centre-là, je dis, vient lier ensemble avec le Sekakaval, pour passer le vice dans Wanamet. Si on fait route ça, Wanamet, Sekakaval, département centre, toute zone frontalière maintenant développée net, pour prendre charisme d'organiser Wanamet. C'est-à-dire qu'il faut une politique qui vient, qui crée offre-là, qui ouvre le pays, hein? Nous parlons maintenant de. C'est vrai. On dit, ah oui, mon cher, on regarde qui j'en ai fait, un bloc, peut-être à Tibonite, qui est réellement intéressant. Mais quand même, sans Tibonite là qui a développé, hein? Moi, je estime que normalement, au bac à faire, j'en vais garder frontières. Parce que frontières, c'est porte d'entrée. Oui. Parce que Haïti, c'est pas pour coller. Haïti, ensemble avec la République dominicaine. Alors, le tourisme, c'est la voie la plus simple. C'est peut-être dans quatre fonds de temps, avec Fondation Sensei A, qui sont partenaires en République dominicaine, que nous travaillons et nous développé des routes écotouristiques binationales. Donc, nous pensons qu'avec des routes écotouristiques binationales, ce sont plaidoyers que liés. Parce que la vie, c'est une lutte liée. C'est-à-dire que nous avons commencé là, qu'il faut former jeunes qui reprennent la relève. Et nous pensons qu'il y a 60 ans pour aller. Vraiment, il faut former jeunes qui, pour former, prennent la relève, qui dit qu'il faut qu'il y ait une autre forme de politique au niveau maintenant de l'île d'abord et de la Caraïbe ensuite. Le jour que nous avons intégration au niveau de la Caraïbe, de Léa, n'a pas changé maintenant la vie. Et pas qu'à faire l'autre genre, c'est on ne vend bien que ce que l'on connaît. C'est l'eau qu'on va avoir vendre, on connaît pays nous plus bien, on connaît soi nous plus bien, on connaît géographie nous plus bien, on connaît qui ressources que nous gagnons plus bien, on prend formation, on est capable de bien en service et ça qu'a fait. On vient pour IFORA, c'est ça. Maintenant, on a démarré qui l'heure et qui est capable de venir prendre formation dans l'institut. Mon cap prendre formation, nous-mêmes, nous croyons que dans un premier temps, nous disons, bon, ok. Puis écoute, prends le vent de former maintenant des gens qui sont capables de faire du bon service. Parce que ça, il y a déjà dans l'hôtel, dans le restaurant, qui ont besoin de professionnels, il y a des gens qui travaillent en amateur, qui comme serveur, comme barman, normalement, comme gens qui travaillent dans la chambre, dans l'hôtel, dans le nettoyage, qui ont besoin de formation sur l'hygiène, ils ont besoin de formation comme serveur, comme barman. Donc nous avons offert maintenant d'abord un ensemble de séminaires de courte durée et nous permettre que les gens qui prennent formation de cours réguliers avec hôtellerie, agro-tourisme, d'abord que nous avons fait promotion pour l'environnement. Mm-hmm. Parce que nous avons des cours qui peuvent être que nous sommes capables de comprendre très bien comment on peut gérer maintenant des déchets, comment on peut capable faire un diagnostic. Parce qu'il y a un peu de jeunes qui prennent formation. Et nous permettons, son formation, un espace qui permet nous offrir plusieurs services. Nous avons fait des services que nous avons sorti ensemble avec eux, puis nous avons fait un week-end, nous avons gardé ça, nous avons fait, nous essayer de comprendre plus bien la vie en milieu rural, qui sont richesses que liées que nous-mêmes nous pas exploité. Donc, c'est nous-mêmes nous avons
formation en l'app servi pour monde qui est dans l'hôtel, qui est dans le restaurant, et pour jeunes qui veulent venir comme entrepreneur. Alors, c'est monde qui fait cap démarrer ou bien monde qui était là? Oh, toujours... les deux. Par exemple, on va parler de WAF, on va faire par routine. On va dire que technique pour gagner, nous avons des bouches, nous avons des ouvrages que nous préparons dans ce sens-là. Nous avons des guides pratiques sous bar, comme serveur, pour servir comme professionnel et comment maintenant on travaille maintenant en équipe. Parce que le plus souvent, on connaît que la socialisation du travail, son secteur demandé pour le monde. Pas qu'un garçon va camper, il faut qu'on travaille avec bon service, il faut sourire, pas qu'on venir frustré, pas qu'on travaille dans le secteur touriste. Donc nous avons fait des professionnels, dans gros touristes, même, nous avons formé des professionnels qui permettre que jeunes gens, les mêmes qui vivent dans le milieu, comment ils peuvent faire un plan de ferme, parce que lorsqu'il y a des secteurs agricoles, là, mon nez fait agriculture, ils ont raison de comprendre bien maintenant la vie, qui j'en paysan maintenant planté, pour qui ça maintenant obligé de faire. Maintenant, on levait des yuns, mettait 2, 3, 4 cultures sur le côté, comprendre l'agroécologie, puis bien, pour qui ça ne doit développer agroécologie, agroécotourisme. D'ailleurs, son pays n'a pas aucune signalisation, au bras de l'autre côté, c'est le monde qui vous demande qui vous doit aller. Donc, c'est ça, il faut nous signaliser, il faut que nous mettions information dans différents plantures, éduquer dans chaque produit qui est dans chaque clôture, dans ferme, dans panneau, pour signaliser que ça n'a fait yo, pour mon niveau qu'à apprendre pour être tout. Parce que en principe, connaissance, c'est comme si on a deux gros rejets qui fait dans ça que nous gagnons dans le milieu. Maintenant, qui ça peut faire différence à l'autre école qui est déjà là, qui a formé des monde en restauration, en bar, etc. Bon, ce sont l'école qui est dans ce pratique, plus pratique que théorie. Et en plus, qui permettent que mon yotou a bien notion de langue, mon yotou a bien notion maintenant des professionnels de qualité tout. Parce qu'il ne va pas prendre n'importe qui mon yotou dans ce yotou. Normalement, donc c'est qu'il n'a pas un monde qui est formé, qui est des experts qu'on a mobilisé et a bien échangé tout par rapport aux visites sur son bail qui pour nous qui est extraordinaire. C'est pas tellement une formé mon yotou dans 4 murs, c'est fait mon yotou découvrir maintenant, fait apprendre à bien et travailler maintenant de recherche pour le faire. Normalement, on peut quand même former pour peut-être lui. Donc, l'espace de travail que nous avons dans bois, c'est un point côté mon en formation, mais la des visites de terrain, la des visites dans différents hôtels pour regarder les services, mais le pral garder tout, maintenant sur terrain, comment, que ce soit à Belader, que ce soit à Value, que ce soit maintenant à Jacmel, que ce soit dans d'autres endroits dans le pays, pour qu'il y ait des services qui sont similaires par rapport à San Abofri, que ce soit en République dominicaine également. Est-ce que ce sont formations d'Akabdi qui sont standardisées? On est qui ont forme qui viennent pour formation, qui a décidé de mettre compétences ça et au service de l'autre pays, par exemple? C'est of course, parce qu'en principe, je dis, si on ou pas qu'à faire formation ou font formation comme si je dis on n'a pas les maintenant de mondialisation et c'est sérieux on pas qu'à former au monde c'est plus grand problème qui gagne ici formation comme c'est tellement de bas niveau il n'y a aucun côté homologué donc il y a des tout partenaires et universités que n'a pas avancé avec eux d'ailleurs avec fondation Sciences en République Dominicaine mais dit qu'on considère comme mieux nommé fondateur nous avons contact avec des universités déjà en République Dominicaine nous avons d'autres universités par exemple Défi Caraïbes que n'a pas avancé avec lui. Comme si vous ne pouvez mettre ouvrir champ, parce que je dis à soit fait touriste, soit font touriste fermé, soit font touriste ouvert, et moun n'a formé, c'est des moun qui formé, qui a gagné accès non seulement pour au niveau maintenant de Zilea, parce que nous, moi je prends toujours le binational, parce que nous mal éduqués, nous toujours pensons devoir vivre en Haïti ou pourquoi, ou pas pourquoi. Comme vous dites, vous ne pouvez pas vous connaître. Vous ne pouvez pas vous connaître ce petit bout de et même bout de ça qui est en République Dominicaine, avec un niveau de vie, une qualité de vie, presque 8 fois supérieure que ça qu'on a là. Donc, pour qui ça? Parce que nous, chita, après tout, regarder, nous faisons bac, alors qu'il y a une possibilité que pour nous prendre conscience. Et c'est cette conscience-là maintenant qu'il faut développer pour avoir un autre pays. Sur la formation niveau professionnel, niveau universitaire? Nous-mêmes, nous pensons que nous ne pouvons pénaliser personne. L'espace pour tout le monde. Parce qu'en principe, l'on est capable comme serveur, monsieur besoin de prendre formation. Ça veut dire le service, mais le bon service professionnel. Parce que le professionnel, ça veut dire que l'on doit l'on est son serveur professionnel, il n'a pas besoin de philosophe, il n'a pas besoin de ça. Monsieur, à partir maintenant de 9e année, monsieur, on est capable de formation. Il est capable de formation. Parce que le plus gros drame qui est en Haïti, particulièrement, moi, bon, heureusement, ce concours de circonstances, on est passé, c'est longtemps, il est baccalauréat. L'on n'est pas passé baccalauréat, on n'a aucune chance. Je veux dire, on ne va pas bloquer le monde. On va bloquer le monde, on va la chance pour prendre formation, pour continuer à aller plus devant. Bon, c'est ça qu'il faudra y soit faire, permettre que le monde n'est pas capable de pas gagner barrière pour le baccalauréat. Depuis qu'il est intelligent, il a une bonne formation, il a un bon genre de motivation. Et pour l'apprendre, il n'a pas apprendre et il a capable de former tête lui, venir comme un grand entrepreneur, pourquoi pas. Mais il n'a pas former des fonctionnaires. Mais les fonctionnaires, c'est un monde qui a tant de ballon de job, qui a monté la capacité de comprendre qu'il a créé propre richesse. Parfait. Claire, à qui l'on a démarré? En principe, nos périodes d'inscription ont commencé. Période d'inscription, c'est vraiment, on va très bon marché parce que, qu'on est touriste, on va être de prestige. Si maintenant, venez.
l'a inscrit, l'a bien pas maillot, l'a bien pas badge, l'a passé dans local là parce que et l'a passé dans local dans Delma, dans Delma 71, rue Creton numéro 2 pour lui inscrit. Donc n'a démarré maintenant en septembre, dans septembre, mais fin mois juillet, mois d'août. Moi pour inscription pour nous regarder exactement par cohorte d'étudiants à qui groupe que n'a pas démarré qui j'en a fait ça. Alors nous avons espace, c'est un coquet local, un coquet bâtiment que nous avons offert, nous avons offert maintenant un service de qualité. Oui, cours à dispenser dans Delma 71 ans. Cours à dispenser dans Delma 71. Mais il y a des visites maintenant de sortie, tant à Port-au-Prince que dans les villes de province et en République dominicaine. Au monde qui est intéressé, bon numéro de contact. Et numéro de contact, là. Bon page Facebook ou bien adresse électronique. Ah, bon, adresse, nous avons adresse électronique, là, c'est d'argent quand même. Biscuit@gmail.com normalement, et puis téléphone moi c'est 38 26 45 82 en attendant que le passé n'a bien l'autre numéro qui gagne dans faire inscription 38 26 45 82 32 33 17 23. Parfait, d'accord. Qui est la prochaine fois binationale à la fête? Fois binationale à la fête en 2020 à Ansapit. Ça demande beaucoup. Vous savez que chaque fois que Haïti et la République dominicaine, une grande période de tension comme ça, ou bien situation pays agent lié là, des retardés non. Mais la République dominicaine, il y a d'autres fois, par exemple, une fois on a préparé à Fantino, la 22e fois écotouristique et de production, par son initiative comme ça, la République dominicaine, que nous-mêmes nous continuons ensemble avec eux, nous faisons des fois binationales. Donc, fois qu'a fait Fantino, son fois qu'a fait du 22, du 25 octobre maintenant au 4 novembre 2018, et puis, il y a en Sapitan, son foie qui a fait en mars 2020 ou bien en 2020, parce que faut qu'on s'habite bien route, faut qu'on s'habite bien l'électricité, faut qu'on s'habite bien de l'eau, faut que nous permettre que si on a sauté fonds parisien, pas parler de fonds verrettes, le fonds parisien pour arriver à en Sapitan, pas bien route frérot, pas bien route, pas route, c'est bien, pas bien route, alors que c'est une route internationale pour sortir pédanal pour arriver là. Donc pour en Sapitan devrait être la porte d'entrée maintenant du sud-est, contrairement à Jacques Mel, la porte d'entrée du sud-est. Alors que si nous comprenons maintenant, pour gagner la grande Caraïbe qui est autour maintenant de zone ça, où tu as fait de cabotage pour faire mon voyage dans un bateau, mes amis, bon Dieu, je ne pour ça pour en Sapitan pauvre, non. En Sapitan trop riche, laisse-moi aller visiter en Sapitan. Faut aller visiter en Sapitan pour qui merveille, qui gagne, nous font tout mettant dans la mer en Sapitan. Je dis, mes amis, gardez richesse, bon Dieu. Ce sont des richesses qu'on exploite. Ils sont pays qui riches, les vignes qui vivent dans mon avis, dans jeune madame. Nous avons un pays d'abondance et côté mon avis dans la pauvreté. Alors que le tourisme alternatif, le tourisme culturel, le tourisme communautaire, capable de changer de nom. On investit là-dedans, on valorise l'année, on va payer une vocation touristique, mais pas une vocation touristique maintenant isolée, comme si secteur, mais une vocation de tourisme qui va entrer dans le cadre du développement intégré et intégral. Voilà, alors il faudra pour le démarrer en septembre et avec Kouyo, et la question bar, restauration, hôtellerie, et Delma 71, rue Creton, numéro 2, et c'est là il faudra pour le lancer, et il y a plus de monde qui est intéressé à la question hôtel, hôtellerie, restauration, tourisme, eh bien, Agonam Kamibusel, après nous, et pas négliger, contactez-vous, numéro de téléphone, non, car vous prenez Agonam Bussel. 26 45 22 32 33 17 23. Voilà, et puis là, et vous dites déjà, c'est voilà une formation standardisée et qui pourrait permettre que jeunes, les gens qui sont intéressés à ce secteur, ça, les moyens dans les mains, et ça capable de faire plus tout dans le secteur touristique, là, et je vous dis en Haïti. Non, nous croyons ça, nous croyons pas qu'il y ait une façon pour nous changer ces formations. Les formations sont clés qui ouvrent toutes les portes. Depuis qu'on est formé, il n'y a pas de bagarre ou pas de faire. Même si la question de formation, ça a été tellement présent 2014-2015 avec l'hôtel qui t'a plus ouvert, ou bien comme impression, tout le monde est entré là-dedans. Et il y a même qui questionnait la qualité de ce qu'il y a dans l'école. Ça. Bon. C'est une raison nous-mêmes nous dit qu'en tant que ministre, il faudra faire mieux. Non, c'est sûr. Là où nous sommes, c'est l'excellence. Bonne chance et bon succès à Ifora. D'accord, merci. D'accord. Voilà, notre invité ce matin, la Gonome Jean-Camille Bisquette, pour nous regarder ça l'a fait avec le lancement Ifora pour moi septembre, dans Cap-Vigny là. Et puis nous avons tout fonti, Badbouche, sous le secteur, de manière générale, obstacle qui méritait surmonter pour que le secteur touristique prenne place. Ça a créé un pile d'opportunités, un pile de richesses pour le pays. Merci tout le monde, tout avec nous en direct. Je souhaite vous passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée, bon week-end avec TNH. À bientôt. Merci. Merci. Merci.